Il n'y a pas de dragon dans cette histoire. Cette histoire devrait être celle d'un dragon qui capturait une princesse. Oh non! Soudain, ah! Un chevalier arrivait, oui, se battait contre le dragon. Oh! Et délivrait la princesse. Hourra! Fin. Toutefois, je ne peux pas vous raconter cette histoire parce que le dragon est parti. Il était vexé. Je ne vais pas capturer d'ennuyeuse princesse à paillettes aujourd'hui et je ne combattrai pas de braves chevaliers servants non plus. Je m'en vais dans une histoire dont je serai le héros pour une fois. D'abord, le dragon aperçoit un petit bonhomme de pain d'épices. « Bonjour, est-ce que je peux être dans ton histoire? Je pourrais te sauver du renard. »« Non, 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 ça ne se passe pas comme ça, » répond le bonhomme de pain d'épices. « Il n'y a pas de dragon dans cette histoire. » Le dragon grimpe sur une colline. Il rencontre un cochon qui construit une maison en bois. « Bonjour, est-ce que je peux être dans ton histoire? Je pourrais te sauver du grand méchant loup. » « Non, 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 ça ne se passe pas comme ça, » répond le deuxième petit cochon. « Il n'y a pas de dragon dans cette histoire. » Alors, le dragon prend le chemin de la ville. En route, il rencontre Boucle d'or. « Non. » Ansel et Gretel. « Non, non. » Et le petit chaperon rouge. Non, mais personne ne veut du dragon dans son histoire. Un instant, le dragon vient d'apercevoir un garçon qui escalade une tige de haricots. Bonjour, je pourrais te sauver du géant? Non, 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 ça ne se passe pas comme ça, répond Jacques. Il n'y a pas de dragon dans cette histoire. Ça sent la chair fraîche de dragon, gronde le géant. À l'aide! J'ai changé d'idée! Je ne veux pas être dans cette histoire! Sacre bleu! Que se passe-t-il ici? Oups, le géant éteint le soleil. Ôte-toi de mes cheveux. Quelqu'un a-t-il vu ma pantoufle de verre? Aïe, mon nez! Embrassons-nous! Va-t'en de là! Au secours! Dragon, où es-tu? Crie le bonhomme de pain d'épices. Nous avons besoin d'un héros. Je ne peux pas, je ne suis pas doué pour être un héros. Mais nous avons vraiment besoin d'un dragon dans cette histoire, s'exclame le bonhomme de pain d'épices. Je ne peux pas, à moins que... Peut-être que... Voici donc l'histoire d'un dragon courageux qui fait éternuer le géant. Oh non! Et le soleil s'éteint. Ah! Mais le dragon le rallume. Oui! Et devient un héros. Hourra! Fin. Un instant.
coincer le dragon. Tic-tac, tic-tac, vrai fin.